Hey, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va hyper bien, puisque je me trouve actuellement dans mon nouvel appartement. Donc du coup, ma résidence pendant un, voire 2 ans, si il me plaît vraiment, pour mes études. Donc du coup, j'espère que ça résonne pas trop, honnêtement. Je m'entends résonner, puisque la pièce est grande, malheureusement. Mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop sur la vidéo. Poké m'a dit qu'on l'entendait que très peu, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'on va rentrer bientôt dans la pré-saison de League of Legends. Et oui, c'est bientôt la fin de la saison 8. Et donc du coup, on va bientôt rentrer dans la pré-saison avec les worlds qui vont arriver, etc. À la fin des worlds, du coup, on aura la pré-saison comme d'habitude. Et Riot a déjà fait un post sur ce qu'elle va travailler en général sur cette pré-saison. Alors malheureusement, le post est en anglais, donc c'est comme d'habitude. Le post est vraiment assez long pour que je traduise tout. Quand il y a très peu de choses à traduire et quand le vocabulaire est pas trop spécifique, je peux réussir à traduire. Là, malheureusement, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, après, le problème de Google Traduction sur des posts comme ça, c'est que le vocabulaire est spécifique à League of Legends et souvent, Google Traduction a pas un vocabulaire très adapté pour ça. Donc du coup, on va essayer de traduire en même temps que lui pour réussir à vous faire partager ensemble. Sinon, le lien sera dans la description, forcément. Donc, j'avais déjà commencé. Donc, ça fait quelques semaines qu'ils ont donné un aperçu de leur projet pour le reste de l'année et de la pré-saison. On s'en souvient, j'avais fait une vidéo sur les reworks des champions qui étaient à venir, donc la priorité des reworks et sur ce quoi ça allait concerner. Donc, ils voulaient revenir sur une mise à jour et jeter un coup d'œil sur les idées qu'ils testent actuellement. Et les quatre objectifs principaux sont énumérés ci-dessous avec leurs modifications correspondantes. Donc, au niveau des 4 points, donc il y a la lane phase qui sera améliorée et un peu plus longue. On va voir en quoi ça concerne. Les comebacks sont plus satisfaisants et sont plus faisables. J'ai un doute sur la traduction. Réalisables, c'est ça. Faisables, réalisables et plus satisfaisants. Les décideurs de game se réussissent plus facilement. Donc, par exemple, le baron sera peut-être plus simple à faire. Au niveau des runes, ils vont toucher les runes aussi. Ils disent qu'elles n'infligeront plus, enfin, elles donneront plus de stats bonus, tout simplement. Et miscellaneous, là pour le coup, je ne saurais pas le traduire. On va voir ça ensemble. Divers, ok, bon, ça c'est un peu. Oups, bon, là j'essaie de record. C'est un peu tout ce qui concerne les autres points un peu plus expérimental, peut-être. Donc, au niveau de la lane phase, les tourelles extérieures commencent maintenant le jeu avec une barricade qui ajoute 5 petites barres de santé sur la santé principale de la tourelle. C'est l'image qu'on peut voir ici. Donc, les 5 cristaux, peut-être. Et la barrière principale de la tour, cancel. Chaque morceau de la barricade peut être détruit et récompense les joueurs locaux en or. Ok, très bien. Environ 10 minutes plus tard, ces barricades disparaissent, éliminant à la fois des défenses supplémentaires et l'opportunité des récompenses en or. Donc, en fait, c'est bizarre parce qu'en même temps, ils encouragent le push early en donnant des golds avec ces cristaux qui ont l'air de donner des golds. Mais 10 minutes plus tard, ils vont disparaître et donc les golds ne seront plus là. Alors qu'ils disent que bah, la lane phase va être plus longue. Alors, certes, la tour sera plus dure à détruire, mais ça va quand même encourager le push et ça va quand même encourager les teams à, enfin, à prendre très vite l'ascendant sur l'autre. Et donc, du coup, peut-être que les pushers early seront très très forts et que je sais pas, genre des Tristana, etc., feront le taf en early game avec une très grande range ou une Caitlyn peut-être pour amasser beaucoup de gold en early game et donc, du coup, s'offrir un late game plus rapidement. Mais leur objectif, c'est quand même d'améliorer et de rendre plus longue la lane phase. Cela nous donne une phase de lane plus protégée et un peu plus longue, mais nous récompensons toujours ces types de voies rapides ou fortes, avec la possibilité de détruire beaucoup de tourelles et de les récompenser en or. Très bien. Bon, c'était un peu ce qu'on disait du coup. En plus de cela, nous constatons qu'il y a beaucoup de nouveaux petits moments intéressants va-et-vient sous la tour, essayant de détruire autant de barricades que possible. Oui, donc ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup d'allers-retours entre push les waves de creep, push la tour, etc. Très bien. De plus, nous explorons de légères augmentations de dégâts sur les tourelles en début de partie, afin que les dives sous tour ne soit plus aussi puissant. Ok. En fait, il faut augmenter le dégât des tourelles pour que les dives en early se fassent moins. Et probablement aussi en partie pro.
Puisque on sait en solo queue, les dive early peuvent très mal tourner très très vite. Et donc en pro, sachant qu'ils sont bien coordonnés en vocal, etc., c'est beaucoup plus facile d'organiser un dive level 3 en LCS qu'en solo queue. Nous aimons toujours qu'il soit présent, mais il y a des cas où il semble que celui qui attaque ne prenne pas assez de risques, d'où cette augmentation des dégâts de tourelle. Ensuite, donc ça c'est pour le comeback qui serait plus réalisable et plus satisfaisant. On va voir ensemble. Il convient de noter que les changements de base devraient être mentionnés ci-dessus font un bon travail pour nous ici. Donc pour l'instant, ils sont contents de ce qu'ils ont proposé sur la lane phase et sur les tourelles pour l'instant. Je suis assez d'accord avec eux. Ça peut être très intéressant et ça peut être aussi très mal fait. Donc attention comment ils le font tout simplement. Les premières pistes de la première tour empêchent les cas où un gros gank mène à des gros gains d'or et la voix gagnante commence à snowball sur la carte et à écraser les lanes. Un autre changement important que nous testons actuellement permet de réduire les primes de plusieurs façons. Les primes ont été un bon outil pour nous car tuer un ennemi puissant est à la fois la fois habile et mène activement à un retour. Oui, c'est vrai que les bonus, ça a fait beaucoup de bien, je trouve, au game, puisque quand un mec était en train de snowball, quand il était en 10-0 par exemple, avant vous avez juste 400 ou 450 gold de shutdown, alors que maintenant vous avez jusqu'à 1000 d'or, donc ce qui est vraiment énorme pour le coup. Et oui, ça aide au comeback très clairement. Mais là, donc du coup, il pense qu'il s'agit d'une amélioration du système d'intégration de toutes les sources d'or. Nous faisons cela avec soin afin que nous punissions les joueurs pour le farm. Ce que vous devriez toujours faire. Hein. Alors pour le coup, où est le Crushing Lanes? Putain, ça n'a pas de sens. Machine, ils veulent punir les joueurs pour leur farm. C'est ce qu'on voudrait toujours faire, ok. Bon, ils se mettent à mettre des énigmes du Perforas, Riot Games, c'est cool. Bon, on va passer rapidement là-dessus. La vidéo fait déjà 7 minutes 30, what the fuck? Il y a tellement de changements que. On va passer vite fait du coup. Globalement, nous voulons que les primes augmentent légèrement, ce qui peut réduire les primes d'abattage, les primes de shutdown pour compenser le nouveau système. Nous testons également certaines réductions de l'or dans le. Attends. Global au niveau des tours, enfin au niveau des tours, ce que donne en global les tours quand on les tue à toute l'équipe. Ok, car c'est l'une de nos sources de snowball les plus puissantes actuellement et ça minimise les différences individuelles entre les joueurs de l'équipe, c'est sûr. C'est vrai que prendre une tour et que ça donne à tous les joueurs de la map, forcément, le mec qui est dans la team qui n'a pas de gold et qui pourtant et en 0-0 avec son adversaire en 0-0 aussi, bah son adversaire va avoir de l'avantage à lui alors qu'il a fait aucun misplay. Tout simplement, juste sa team est meilleure. Et c'est le problème en solo queue. Au niveau de la santé, au niveau de la vie des corps à corps et des minions canons, ils seront. Alors attendez, il y a Discord. Ok, Discord réglé. Donc du coup, je pense qu'ils parlent des canons minions et des mêlées. Ouais, voilà. En fait, leur vie va augmenter de plus en plus à partir du mid et late game. Donc la vie des minions va augmenter considérablement en late game. Ces changements permettront au jeu de se terminer plus naturellement. Et oui, parce que du coup, plus les minions auront de vie, forcément, et plus les waves seront faciles à push, même sans Nash, et ils feront plus de dégâts puisqu'ils survivront plus longtemps, c'est logique. Mais cela dure trop longtemps car du wave clear en train de clear chaque vague où l'équipe en attente doit attendre que le baron réapparaisse, c'est sûr. Donc ils veulent faire en sorte que le clean wave soit moins facile en late game et qu'on n'ait pas forcément besoin du baron pour finir une game déjà gagnée. Au niveau. Alors, ça, c'est quoi? Ça doit être au niveau des runes. Oui, nous testons de nouveaux choix de statistiques indépendantes sur chaque page de runes. Ils sont en train de travailler entre deux ou trois choix. Apparemment, les tests ont été très prometteurs. Donc j'imagine. Bah, je crois pas que ça soit sur le PBE, mais j'imagine qu'ils testent au sein de Riot du coup. Les choix de statistiques sont classés en statistiques offensives et défensives. Les deux systèmes incitent ou exigent un mélange d'infraction et de défense. Donc ils ne veulent pas qu'on soit
trop safe non plus, ils veulent qu'on prenne un minimum de risques, et c'est très bien de leur part. Nous pensons que cela fait de bonnes choses pour le jeu en arrondissant l'offensive et la défense des joueurs, tout en laissant de la place à des builds assez pointus pour les joueurs qui veulent investir dans l'un ou l'autre. Très bien. Les options de statistiques actuelles que nous testons, offensive donc de la D, de la puissance, de la vitesse d'attaque et de la CDR. Au niveau de la défense, logique, armure, RM, scaling, DHP et la régène de santé. Très bien, donc je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler honnêtement ce changement de rune, mais bon, bah, il faudra s'adapter hein, comme d'habitude. J'ai peur que ce soit un peu broken au début, comme certaines maîtrises l'étaient en début de saison 7 ou 8, mais bon, c'est toujours le problème quand ils font quelque chose, c'est que c'est rarement très peu équilibré. Au niveau des divers, ils vont déplacer le spawn des sbires et le temps de réapparition des monstres à environ 30 à 40 secondes plus tôt, donc la game démarrera beaucoup plus tôt qu'avant pour le coup, donc attention à ceux qui vont pisser en début de game, et bah faudra vous dépêcher les gars. Ils veulent laisser place à des invasions et à d'autres stratégies intéressantes, mais dans 95% des cas, les joueurs finissent par attendre 30 secondes. Ok, très bien, ils veulent que les early games soient plus dynamiques et durent moins longtemps. Enfin, des vraiment early games, tu vois. Et pour leurs affaires, faire de LoL le meilleur jeu possible pour que la grande majorité d'entre nous. Nous pensons que la rationalisation de cette phase vous permettra de vous amuser plus rapidement. À long terme, nous visons à intégrer le chat textuel à l'écran de chargement. Quoi ? Intégrer le chat textuel à l'écran de chargement ? C'est quoi l'intérêt ? Ça pourrait transformer le temps mort sur l'écran en une stratégie amusante et conviviale. Très bien, oui. Effectivement, ça pourrait être une bonne chose. Et pourquoi pas, écoutez, j'ai envie de vous dire. Tous ces changements m'ont l'air d'être vraiment bien pour le coup, ils sont légitimes et participeront au dynamisme de LoL. Je pense que ce qui manque le plus, c'est du dynamisme et du changement. Je ferai sûrement une vidéo sur mon point de vue sur League of Legends et ce que Riot a encore à améliorer. Parce que ça fait quand même très longtemps que je joue à League of Legends, ça fait 3 ou 4 ans. Je suis pas le plus vieux sur ce jeu, bien sûr, il y en a qui jouent depuis leur début. Mais j'ai quand même certaines idées et voilà, ça serait cool qu'on les partage tous ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces changements pour la saison 9 et donc du coup pour la pré-saison 8. On en saura plus prochainement, j'imagine, sur tout ce qui va se passer. Je vous fais des bisous, je vous aime, c'était Sparring. Ciao.